Je suis en train de me dire, y a-t-il encore des choses à partager? Il y a eu déjà tellement de choses partagées ce matin que voilà, on en a déjà pour sa semaine, voire pour son mois. Enfin, je ne sais pas, si on se saisit de toutes les paroles, si on les prend à bras le corps, si on les médite et si on marche avec, il y en a pour un paquet de temps. Vous êtes d'accord avec moi, on a quand même reçu beaucoup. Alors moi j'ai pris ça, ce que tu viens de témoigner maintenant, parce que moi je ne me sens jamais prête. Au contraire, hier soir je n'étais pas prête du tout. Ce matin je me suis levée plus tôt, j'ai préparé des trucs, et puis je disais, est-ce que c'est ça, est-ce que ce n'est pas ça, Seigneur, je ne sais pas. Voilà, mais le Seigneur nous utilise et il fait avec des êtres comme nous qui sommes faibles, mais c'est lui qui fait. Pendant la louange, je voudrais d'abord partager ça avant de commencer ce sujet. Pendant la louange, alors que nous étions occupés, je voyais une épée qui tranchait. Et quand tu as parlé des cheveux de la fiancée, qui était belle, mais qui avait les cheveux bien emmêlés, tout de suite j'ai pensé à notre fille Soline, parce qu'elle a les cheveux tout à fait bouclés, mais un peu crépus. Et quand elle était plus jeune, ado, se coiffait... comme ça, à l'œil, hein. C'est plus ou moins ça. Enfin, moi, je fais ça, mais moi, je n'ai pas trop de nœuds, vous voyez. Mais elle faisait ça. Et puis, elle s'est tapé un paquet de nœuds là en dessous. Mais quand je vous dis un paquet de nœuds, c'était quelque chose. Didier a passé des heures à essayer de défaire les nœuds. Et à un moment donné, il n'y a pas le choix. Il fallait trancher. Et donc, il a pris la paire de ciseaux. Il a coupé là. Enfin, ce n'était pas trop visible, mais ça aurait pu être, tellement c'était emmêlé. Et je comprends bien cette image, parce que je me dis, ben, Seigneur, tu vas trancher. C'était vraiment un temps, non seulement dans la paix, mais aussi un temps de reconsécration. Et c'est ce que tu viens de nous dire. Ce temps-ci, je sentais vraiment comme un temps solennel. C'était un peu particulier, et dans mon esprit, j'étais mélangée. Vous savez, quand notre âme et notre esprit ne sont pas en accord, et quand il y a des choses qui tiraillent. Et c'est ce que je ressentais en moi. Je me disais, mais Seigneur, on chante ces paroles, mais est-ce qu'on te les dit réellement ? Je parle pour moi, hein, mais je parle pour nous tous parce que je vous partage mon cœur. Et c'est vraiment, on ne se rend pas compte parfois de ce qu'on chante. Et on ne se rend pas compte que les chants, c'est une proclamation. De la même bouche peuvent sortir des bénédictions et des malédictions, mais les proclamations que l'on fait quand on chante ce type de chant, c'est une nous qui les faisons, chacun pour nous-mêmes. Et on n'est pas en train de chanter un chant commun, simplement d'adoration, de dire qui est Dieu, mais là on dit on s'engage par rapport à toi, on te donne tout. Et donner tout, c'est tout. Et je me dis, est-ce que moi j'ai tout donné ? Eh bien, je peux vous dire que, je vais vous dire honnêtement, je ne pense pas, non. Je pense que je dois, au moment propice où Dieu vient me chercher, ben, je donne. Je donne ce qu'il me montre. Ça. Parfois, je retiens. Parfois, je dis, je me bats un peu avec lui. Alors, on dit, il dit, allez, donne. Et quand je donne, il me donne la paix. Il me donne ce qui va avec. Mais sur le coup, parfois, ça tranche. Ce n'est pas toujours agréable. Et je me dis, on a beaucoup parlé du tournesol, de ces choses-là, de se tourner vers Dieu. Je pense que Dieu, il est tout le temps là. Il est tout le temps avec nous. Mais que c'est à nous tourner vers lui, à nourrir notre esprit pour l'ouvrir à sa présence. Et ces derniers temps, moi j'ai entendu, parce que je vais voir sur le net, hein, donc j'ai entendu qu'il y a eu des enseignements sur... la prière contemplative, mais qu'on soit dans l'adoration, qu'elle soit contemplative ou pas, c'est ça qu'on cherche, c'est sa présence. Et dans notre vie quotidienne, la véritable adoration, c'est le don de soi, c'est se donner. C'est ça l'adoration, c'est un don de nos personnes à qui il est. Et je pense que là, le Seigneur est en train de nous dire, tu veux entrer dans le nouveau ? On est dans le nouveau, hein. Moi je crois qu'on est dans le nouveau, mais on est en train d'être tiraillé dans cette communauté. Ça tiraille, moi je sens dans mon esprit, ça tire, mais il ne faut pas que ça casse, il faut que ça passe. Et donc Dieu va faire et ça va passer, parce qu'il est le maître de tout. Et on veut proclamer ça aujourd'hui, il est le maître de tout. C'est lui qui tient le début et la fin, et c'est lui qui va nous faire entrer dans notre destinée. Quand il a proclamé cette destinée, il a donné plein de promesses à cette communauté de laquelle je fais partie depuis 7 ans. Quand Jacques a donné le relais à Christophe, ce jour-là, je suis venue par hasard. J'avais été invitée plein de fois, hein, mais je n'étais pas venue. Et puis ce jour-là, moi, je n'allais plus nulle part pendant 3 ans à cause de blessures dont Dieu m'a guérie, dont Dieu m'a... Voilà, avec des réconciliations profondes, avec des demandes de pardon, avec tout ça. Hein. Donc, je pourrais vous raconter toute une histoire, je pourrais vous raconter mon témoignage. Là, je ne suis pas en train de prêcher, je suis en train de raconter un petit peu ce qu'on a vécu.
Et quand je suis venue ce jour-là, je n'étais pas prête du tout à réintégrer une communauté. Parce que je me disais, c'est à nouveau me mettre en position pour être blessée. Et je ne voulais pas. Et donc je suis venue ce jour-là, et j'étais assise là-bas, plus ou moins là où Angela est assise, je me rappelle. Et puis Jacques a passé le relais à Christophe, et dans mon esprit, le Seigneur a dit, tu restes ici. Et tu restes à côté de Christophe. Là, c'est ce que je fais maintenant. Et je me dis, mais pourquoi? Je ne comprenais pas. Et j'ai dit non. J'ai dit non. Je ne voulais pas. Mais j'ai fait. Vous savez, parfois on dit non, parce que notre âme dit non. Mais on sait que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, donc j'ai obéi. Et ça m'a pris des années, ici encore, parce que pendant les premières années où j'étais là, vous ne m'entendiez pas. Je recevais. Parfois, on m'évangélisait presque. Je laissais faire. Je sentais que je devais laisser faire. Je sentais que ces choses-là devaient se faire et qu'en moi, il y avait des choses qui devaient être guéries dans les profondeurs pour pouvoir rentrer à nouveau dans ce que le Seigneur a pour moi, dans lequel je vais seulement encore rentrer. Mais je suis là. Je suis sur le bord d'entrer dans finalement ce que le Seigneur a prévu pour ma vie. Et donc, je pense que c'est important à certains moments de lâcher prise. C'est important, on dit, de déposer des paquets, mais je pense qu'il y a des moments, il y a des paquets, il faut les déposer. Parce que le sacrifice de Christ est au-delà de nos paquets, de nos divergences d'opinion. Dieu est au-delà de nos opinions. Ce n'est pas qu'il n'en a que faire de nos opinions, mais il est au-delà de nos opinions. Il faut le savoir. Moi, j'ai des opinions, et parfois je les exprime et je devrais me taire. Je vous le dis, hein, tel quel. J'ai des opinions, il y a des moments, mes opinions, elles ne valent pas grand-chose. Alors il faut que j'aille lui demander son opinion sur la situation. Et elle est souvent différente de mon opinion, qui est beaucoup plus tranchante, beaucoup plus jugeante, beaucoup, beaucoup moins empreinte de son amour. Et plus je m'approche de lui, et plus il me donne de l'amour pour les autres, et plus finalement, ben, mes opinions n'ont pas trop d'importance. Elles diminuent, elles fondent comme neige au soleil. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose que Dieu veut faire. Parce qu'il veut un corps, quand on prend la Sainte Cène, et on n'a pas parlé de ça, mais on doit, quand on prend la Sainte Cène, on reconnaît qu'on est un corps. On reconnaît qu'on veut bien être placé à un endroit dans le corps et qu'on va servir et qu'on va être à côté de trucs et de trucs et de trucs parce qu'il y a plusieurs cellules. Je ne sais pas s'il y a des biologistes ici, mais ils pourraient nous raconter la totale avec les cellules. Et toutes les deux. Moi, je travaille avec des gens qui sont des immunobiologistes. C'est des gens qui vont dans le petit du petit. Hein, donc, c'est vraiment le micro, vous voyez, les petites choses. Et tout a une importance. Dès qu'ils changent quelque chose, ça a une importance dans le corps. Donc, ils font des essais sur des souris. On pense qu'on veut de ça. Hein. Bon, ça moi, je n'y suis pour rien. Mais parce qu'il y a des similitudes avec nous. Et parfois, ils changent une petite chose, mais des choses que. Voilà, c'est infime pour voir la réaction que ça a dans le corps. Et donc, je pense que Dieu est en train de dire. Ben là, je vais pouvoir rentrer dans ma prédication, mais Dieu est en train de dire ben, soyez positionnés au bon endroit. Positionnez-vous au bon endroit. Et c'est ce que j'avais à cœur depuis le confinement. Pendant le confinement, j'ai prêché cela à une autre communauté par Zoom. Quelle horreur! Moi, je ne suis pas comme Christophe. Moi, quand je suis par Zoom, je me sens coincée, je n'aime pas ça. La première fois que j'ai prêché ici, j'ai prêché une salle vide, j'étais mal à l'aise. Bah, j'ai dit, Seigneur, tu me fais quoi? Parce que j'ai l'air d'être à l'aise, mais avant d'arriver ici, j'ai toujours la boule au ventre. Hein, c'est pas moi. je ne prendrai pas le micro naturellement. Je laisse souvent les autres parler parce que je préfère qu'ils le fassent, mais je pense que Dieu, il a des choses à dire et que de toute façon, il m'a donné une bouche qu'il a libérée et que je peux parler avec. Donc, il m'a donné des choses à dire. Mais vraiment, il m'a parlé beaucoup de positionnement. Et la dernière fois que je suis venue à la communauté, avant de prendre nos vacances, il y a Marilyn qui a employé ce mot, positionnement. Et là, j'ai su que je devais reprendre ce message et vous le donner. Et Seigneur, il a mis une autre lumière sur ce message. Je ne vais pas vous le donner comme je l'ai donné de l'autre côté. C'est les mêmes passages, mais pas la même chose. Parce que Dieu veut que son Église soit complète, qu'elle soit établie, qu'elle soit positionnée sur le bon fondement qu'est Jésus-Christ. J'ai utilisé pour ce faire des passages dans Luc. J'ai repris les quatre premiers chapitres de Luc. Je ne vais pas vous faire les quatre premiers chapitres, hein, parce que sinon je vais dépasser le temps. Mais un petit peu l'exemple de Jésus. Parce que finalement, Jésus, c'est l'exemple suprême. On pourrait dire, on va prendre comme. J'ai entendu Christophe qui parlait de ça, on pourrait prendre l'exemple de Catherine Kuhlmann. Mais Catherine Kuhlmann, c'est une femme.
Donc, c'est une femme qui a fait des bêtises aussi, qui a dû faire des erreurs, qui a dû déplaire à certaines personnes, etc. Donc, je ne vais pas prendre un exemple qui n'est pas un exemple suprême, je vais prendre Jésus comme exemple, parce qu'avec lui, on ne peut pas être déçu, mais on doit savoir aussi qu'on est en marche vers ce qu'est Jésus. Donc, en prenant Jésus comme exemple, on va juste savoir qu'on va se mettre en marche dans tout ce que je vais vous partager. Bon, tout au début, il y a la naissance de Jésus, mais ça, je ne vais pas revenir dessus. Je vais juste faire une chronologie. Je vais m'arrêter sur certains points où le Seigneur a mis l'accent pendant la préparation de cette prédication. Donc, il y a la naissance de Jésus, et puis Jésus a 12 ans. Bon, on saute une étape, hein, mais on ne la saute pas vraiment. Jésus est dans le temple, il est avec des érudits, il pose des questions, etc. Il se dit, waouh, quand même, le gars, il est tout jeune. Et il a quand même une certaine sagesse, une certaine connaissance. Il discutait avec eux, il posait des questions qui les interpellaient. Fils de Dieu, hein, on allait dire, ouais, bah, c'est normal, hein, c'est le fils de Dieu, mais il avait 12 ans. Pas encore dans le ministère, il n'y est pas entré tout de suite. Les docteurs de la loi étaient surpris. Et puis, il retourne avec... Bon, qu'est-ce qui se passe? Ses parents le cherchent, ne le trouvent pas, il est dans... Parce que ça, je vais faire un petit peu mon Pierre, là. Ses parents le cherchent, ils ne le trouvent pas, ils le trouvent dans le temps. Trois jours après, genre mon avis, ils devaient être mortifiés les deux. Mais on l'a perdu. Puis ils retrouvent, je m'occupe des affaires de mon père, mais ils retournent avec eux. Et il y a un mot qui m'a sauté à la figure, c'est ils retournent avec ses parents de Nazareth, c'est Luc 2, 51, tu n'es pas obligé de le mettre. Hein. Ils retournent avec ses parents de Nazareth et ils leur étaient soumis. Et ça, pour moi, ça m'a... Jésus, Fils de Dieu, avec une sagesse immense, il était soumis à ses parents. Il a été soumis jusqu'à quand il est rentré dans son ministère. Même quand sa mère est venue lui demander quelque chose et qu'il a dit « ce n'est pas encore mon temps », qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est soumis. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas toujours très bien dans l'Église, la soumission. C'est quelque chose qui nous empêche d'être dans la liberté, on croit. Mais en réalité, la réelle soumission est une soumission d'amour et une soumission qui nous libère. Moi, quand je travaille ici, je suis soumise, et dans ce que je fais à l'extérieur aussi, je préviens Christophe, s'il me disait « Oh, là, t'es en danger, Isabelle, parce qu'il peut parler dans ma vie, vous pouvez parler dans ma vie, je vous permets, mais je dirais, il peut parler dans ma vie, s'il me dit « Oh, là, Isabelle, là, tu vas mettre les pieds dans un truc qu'il ne faut pas, ben, je vais me positionner, si je ne suis pas d'accord, je vais discuter, mais on va partager et je vais me soumettre à son autorité. C'est le berger, il y a un troupeau, il faut mettre des balises à un troupeau, sinon il y a des brebis qui sont un petit peu fofolles, elles vont aller brouter dans le pachy d'à côté, comme on dit par ici, dans le pré d'à côté, elles vont aller brouter un peu partout, ou bien elles sont juste un petit peu, voilà, et ça va poser souci. Alors vous allez me dire, oui, mais... Alors tout de suite, moi j'entends, hein, j'entends pas vos pensées, mais... Oui, mais il n'y a pas que des pasteurs bienveillants, non. Il y a des pasteurs contrôlants. Et pour moi, avoir vécu un abus spirituel, et mon mari aussi, on peut vous dire qu'ici, il y a du contrôle normal. Parce que du contrôle, il y en a. Dans une famille, il y a du contrôle. Vous ne laissez pas vos enfants faire n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment. Il y a une soumission à une autorité. Et je pense que ça, c'est une autorité déléguée par Dieu. Il aura des comptes à rendre par rapport à ça. C'est un homme imparfait, mais voilà. Donc ça, j'aime bien rétablir ça dans une communauté. Il y a la liberté dans la soumission. Et dans cette église, je trouve qu'il y a beaucoup de liberté. On peut faire plein de choses. On peut faire plein de choses. Parfois même, on est un peu perdu dans tous les sens, mais c'est bien. Je ne suis pas contre ça. Je dis, ben Seigneur, si c'est toi qui fais. Et je pense que Christophe se laisse être dirigé par l'Esprit, même si parfois, bon, peut-être qu'on n'est pas d'accord avec lui, mais je pense qu'il aime suffisamment Dieu pour se laisser reprendre s'il doit être pris. Donc je pense que ça, c'est quelque chose. Et moi, je veux le bénir pour ça. Je veux bénir nos pères, je veux bénir nos pasteurs, je veux bénir celui qui m'a amené à Christ, qui est Pierre Beumier. Il n'y a pas longtemps, on faisait quelque chose, on avait un temps de réconciliation, c'était quelqu'un qui venait parler sur la réconciliation, il dit, mais qui voulez-vous bénir?
qui voulez-vous honorer ? Et je me disais, tiens, moi je voudrais... Donc j'ai écrit sur mon cahier, j'ai écrit, je l'honorais pour ce qu'il avait fait, il m'a amené à Jésus. C'est un évangéliste, il m'a amené à Jésus. J'étais la première jeune, non je suis vieille, mais j'étais sa première jeune du groupe de jeunes. Je me rappelle, ils étaient Hélène, qui était une fille des GBU, et lui, et ils avaient décidé de faire un groupe de jeunes, et moi j'avais 12 ans. Et j'étais la première jeune dans le groupe de jeunes de Pierre Beumier. Donc voilà, c'était... Mais vraiment, et il nous a enseigné à ne pas nous prendre la tête, parce que Pierre, il peut vous... Voilà, il peut prêcher, etc. Et après, on va rigoler, on se fend la poire parce que c'est vraiment quelqu'un qui ne se prend pas la tête. Et ça, j'aime bien. Ça, c'est un truc qui nous a communiqué quelque part. On ne se prend pas la tête parce qu'on sait qui on est, mais on sait qui on est en lui. Donc, je vais continuer à prêcher parce que là, je suis vraiment partie sur d'autres voies. Donc, il retourne avec ses parents à Nazareth et il leur était soumis. Et Jésus nous montre l'exemple. Jésus était sage, mais il leur était soumis. On va prendre Luc 2, 52, parce que la parole... Luc, il a été... C'est vraiment l'historien, il a pris les faits, hein, il s'est renseigné, il a pris les faits, donc c'est ça qui est bien. Et dans Luc 2, 52, donc juste après 51, il est dit qu'il était soumis à ses parents, il dit « Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Et j'ai repris le terme en grec, je ne vais pas dire de bêtises. Il croissait, ça veut dire qu'il était avancé. Ça veut dire que maintenant on dirait que c'est un précoce. Il était précoce en sagesse, en grâce, en stature. Et on va voir ce que ces termes veulent dire. Donc il était précoce dans sa façon d'agir et d'interagir avec les gens. La sagesse, c'est Sophia, bon, c'est l'intelligence des concepts en matériel qu'humain. C'est-à-dire qu'il y avait un problème. Mais la sagesse, souvent, elle trouve une solution. Mais pas une solution selon l'homme, une solution selon Dieu. Il y a cette dimension-là, les dimensions de l'esprit dans la sagesse. Dans la sagesse, il peut y avoir... on voit Salomon, on parle souvent de Salomon et de ces deux femmes qui réclamaient le même bébé. Hein, qui, la sagesse a été de dire qu'on coupe en deux, et ils savaient que la vraie mère allait réagir, que l'autre... Mais ce n'est pas que des choses aussi graves. Hein. Mais la sagesse, c'est une parole qui trouve une solution dans quelque chose qui a l'air confus. Qui a l'air compliqué. Et tout d'un coup, pouf, il y a la solution, il y a une parole bien précise. Mais ça, Christophe peut vous enseigner dessus quand il enseigne sur les dons, je pense. Puis la stature. Et la stature, ce n'est pas... je suppose qu'il a grandi. Jésus n'est pas resté petit. Il n'a pas dit qu'il était nain. Il a grandi en stature physique. Mais c'est surtout la maturité. C'est ça que ça veut dire. C'est une stature de maturité. C'était quelqu'un qui grandissait. Donc, on voyait les hommes et Dieu, son père, et les hommes voyaient que c'est quelqu'un qui grandissait dans la soumission, en sagesse, en maturité et en grâce. Le terme est charis. Et j'ai bien aimé parce que ce terme veut dire aussi ce qui fournit de la joie et du délice. Et j'ai repris là pour charis ce que ça signifie. Je vais vous le lire. Hein. Donc ce qui fournit de la joie, charis, la grâce. Hein. Ce qui fournit de la joie, le plaisir, les délices, la douceur, le charme, la tendresse, la grâce du discours. Ça reflète toute la bonté de Dieu. C'est la bonne volonté, la bonté, la faveur, de la bonté miséricordieuse avec laquelle Dieu, exerçant sa sainte influence sur les âmes, les tourne vers Christ, garde, fortifie et amplifie la foi chrétienne dans la connaissance, l'affection et allume dans ses âmes les vertus chrétiennes, allume des feux dans ses âmes. C'est magnifique. Donc Jésus grandissait dans tous ces domaines. Avant d'entrer dans son ministère. Il est entré dans son ministère, la Bible nous dit qu'il avait plus ou moins 30 ans. Je pense que c'était un âge mûr à l'époque. Un homme de 30 ans devait être quelqu'un de... Il n'avait pas 20 ans, on aurait pu dire. Il était le fils de Dieu, il grandissait dans ces domaines-là. Et jusqu'à 30 ans, il est resté auprès de sa famille, il est resté auprès de son père. Pas biologique, mais qu'il avait adopté. Et il est... Il a appris son métier, il l'a exercé avec lui, donc il est resté soumis. C'est vraiment un exemple fou, ça. Dans notre époque, cette soumission-là, elle est dingue. Il était soumis à Dieu le Père, et il nous a dit qu'il ne faisait que ce qu'il voyait Dieu le Père faire. Donc à ce moment-là, il ne lui a pas donné le feu vert. Il l'a gardé dans cette position-là de soumission pendant tout ce temps.
Et les gens l'ont vu grandir en stature, en grâce et en sagesse. Et nous, on est tellement pressés. J'ai reçu une prophétie. Je vais être prophète des nations. Moi, je dis toujours des trucs, des gros trucs. Hein. Comme ça, ça passe gros, quoi. Hein. Et puis, les gens se lancent à corps perdu sans être positionnés en Christ, sans laisser grandir en eux la sagesse, la grâce, tous ces dons-là. Et c'est un chemin, hein, parce que là, Jésus, c'est Jésus, mais nous, c'est un chemin. Et moi, je pense qu'on doit se saisir de ce chemin chaque jour. On doit le laisser mettre en veille nos âmes et que nos âmes puissent refléter son esprit en nous, qui parle à notre esprit. C'est ça. Et quelque part, nous, on est des êtres humains de chair où le corps parle beaucoup, qui va disparaître complètement parce que quand on a mal quelque part... Et voilà, hein, on vient, on a besoin d'être guéri. Moi, quand j'ai mal à la tête, je pense même plus. J'ai mal à la tête. Quand j'ai un bon mal de tête, voilà, vous voyez, c'est, notre corps parle, il hurle. Notre âme, on n'en parle pas. C'est pire. On ne l'entend pas parfois. Parfois, on voit des gens, on se rend compte que leur âme est en train de hurler aussi. Vous voyez, c'est ça. Notre âme, elle hurle. Et notre esprit, souvent, il est mis. Il est un peu coincé entre tout ça. Et Dieu nous dit. Développe ton esprit, laisse le vent venir, lance-toi dans les flots, rentre dans le flot de mon esprit, viens me rencontrer avec qui tu es. Moi, quand je parle à Dieu chez moi, si je m'assois, je pense à tout. Je pense au repas que je dois faire, autant plein de trucs. Donc, ce que je fais, il faut que je marche. Donc, chez moi, et je marche, et tout d'un coup, et je parle. Parce que c'est comme ça que je suis. Alors peut-être que quelqu'un d'autre, il va rester prostré, que c'est comme ça qu'il va recevoir quelqu'un d'autre autrement. Mais je pense qu'il faut être soi-même avec Dieu, parce que de toute façon, on a beau essayer de lui jouer un rôle, on ne le dupe pas. Je veux dire, et on est dans ces temps, on ne va pas le duper. Je peux vous dire qu'on doit rentrer dans un temps, on ne va plus le duper. Et que même les paroles, des prophètes vont se lever, ministères prophétiques, pas des dons prophétiques. Hein. Des dons prophétiques, ils exhortent, ils conseillent, etc. Les ministères prophétiques, ils peuvent aussi venir et dire, là, il y a quelque chose qui coince. Et on n'aime pas hein, quand c'est comme ça. Moi, j'aime pas. Hein. Moi, je dis, Seigneur, si tu as à me le dire, dis-moi avant. Dis-moi. Mais je ne vous cache pas. C'est comme ça que je suis. Je dis, Seigneur, moi, je dis, regarde. Il y a un truc qui ne va pas, dis-moi. Il y a des trucs qui ne vont pas, hein, je peux vous dire. Hein. Il y a des moments où le Seigneur dit, oh là là. Alors je dis, voilà, ok, voilà, je suis ouverte, je veux marcher, je veux entrer dans les choses. Et le Seigneur me parle, mais il y a un temps, ces voix prophétiques, elles vont être dans une pureté, dans une sainteté qui vont trancher. Et on ne va pas pouvoir se cacher, on ne va plus pouvoir se cacher, faire semblant. Je pense que l'Église, elle a besoin d'être vraie. Elle a besoin d'être vraie dehors. Elle a besoin d'avoir ce véritable amour et cette véritable bonté. Elle doit être remplie de grâce pour les homos. Parce qu'on ne sait pas comment on doit leur dire, mais on ne leur dit pas et on les aime parfois. Simplement, on mange avec eux. Nous, on a une amie qui est homo, elle nous invite chez elle. Elle invite à son anniversaire. On était entourés. On était deux couples et tout le reste. Mais on a passé un temps dingue avec eux. On était bien. Parce qu'il y avait de l'ouverture et il y avait un besoin. Il y avait... Voilà, on pouvait partager Jésus parce que c'est ouvert. Ils avaient soif, il y avait une soif là, il y avait un réel partage. C'est pas parce que quelqu'un est homo qu'il peut pas rencontrer Jésus. Au contraire, il n'est pas venu pour les bien portants ou ceux qui se croient bien portants, mais il est venu pour ceux qui sont malades. Donc voilà, on va rencontrer des gens qui sont dans des états pas possibles et Dieu va faire et on va les voir marcher de gloire en gloire. Parce que plus bas ils seront et plus on verra le résultat. Ce matin, il y a quelqu'un qui est venu vers moi et qui a dit « ça y est, c'est fait ». Je dis « mais je le vois sur ton visage, il y a quelque chose de changé ». Je vois, il y a quelque chose, elle avait vécu quelque chose, une délivrance ou quelque chose. Elle me dit, je dis « oui, je le vois ». Je dis, oui, on le voit. C'est ça. C'est qu'il ne faut même pas parler, les gens vont le voir. T'as quoi, toi, que je n'ai pas? Pourquoi tu es dans la paix quand tout le monde est dans le tumulte? Ça, c'est notre identité en Christ, fondée, enracinée. Ça prend du temps, mais ça prend de la marche, et ça prend de la marche tous les jours. Ça ne prend pas des coups de prière à droite et à gauche. Vous savez, on est... je suis dans le groupe pastoral, et on peut prier pour des gens. Mais si les gens viennent et qu'ils attendent par coup de prière qu'on règle leurs problèmes, ça ne marchera pas. Il faut qu'ils marchent, il faut qu'ils veuillent. Et parfois, ça se fait même en dehors, parce qu'on a simplement partagé, et puis poup, poup, ça fait, parce que le Seigneur est en train de le faire, parce qu'ils ont envie d'aller de l'avant.
Et je pense que ça, c'est important. Il faut que vous ayez soif de sortir de vos problèmes, soif de sortir de tout ce qui vous emprisonne. On parlait du pardon tout à l'heure. Mes amis, le non-pardon, ça vous lie. Hein, ça vous lie tout autant que ça lie l'autre personne. Hein. Moi, je sais, j'y suis passée. Je sais de quoi je parle. Quand on ne pardonne pas, on est lié. Et on a du mal à s'approcher du Seigneur. Et on dit, t'es plus là, Seigneur. Et dit... Après, on se rend compte que si, il était là tout le temps, il a continué à nous aimer pareil, mais que nous, on n'était plus ouverts, parce qu'on était liés. Ça nous lie. Quand on dit, je vois des cages, je vois des prisons, il faut ouvrir les portes, bon, on peut ouvrir la porte, si la personne ne veut pas sortir, qu'est-ce qu'on fait? On ne la sort pas de force. Hein. Si, viens ici. Ça, c'est Didier qui fait, parce que moi, je rigole. Je blague. Mais voilà, c'est une marche. Mon chemin à moi était... J'ai rarement su la prière pour la guérison. C'est ça qui est vraiment paradoxal. C'est que la plupart de mes guérisons, je les ai reçues toutes seules en criant à Dieu. Ma première... Je suis venue à Christ. Je vous donne juste ce petit témoignage. Je suis venue à Christ. Mon témoignage, c'est que je vivais en Afrique. Il y a eu qui n'est pas une tornade, mais un genre de typhon tornade qui est passé sur l'école et le toit de mon école s'est envolé. La maîtresse a dit, mettez-vous en dessous des bancs. On s'est mis en dessous des bancs. Je suis sortie de là, traumatisée. Je ne voulais plus sortir. Alors, beaucoup d'enfants avaient fait des jaunisses, c'était une réaction finalement physique de la peur. Et après, ils ont pu guérir. Moi, pendant 3 ans, je ne suis pas allée à l'école. 2 ou 3 ans, je ne suis pas allée à l'école. Et donc, on vivait en Afrique et ma mère est revenue en Europe avec moi parce qu'on voyait là-bas des psychologues, des psychiatres qui ne trouvaient pas de solution à mon problème. Et on est revenu en Belgique et la tante de ma maman, qui était une vieille dame chrétienne, qui était une femme super, une femme de foi, une femme de prière, j'aimais beaucoup partager avec elle et elle venait là chez moi. Parce que moi, je ne sortais plus. Hein. Et elle venait parler de Jésus. Et je me disais, son Jésus. Elle me fatiguait. J'étais là, j'écoutais. Voilà, quoi. Bon. Et puis, une nuit, il y avait une tempête. Et j'avais 11, 12 ans, cet âge-là, après où j'ai commencé à suivre Jésus de façon, d'abord comme ça, puis après autrement. C'est que cette nuit-là, avec la tempête, je me suis dit, je vais aller entre papa et maman, parce que ça me rassurait. Mais à 12 ans... C'est malsain, ouais, parce qu'à 12 ans, le corps change. Il y a quelque chose qui ne va pas d'aller entre papa et maman à 12 ans. Quoi. Enfin, moi, je ne le sentais pas. Et je me suis dit, non, je ne peux pas y aller. En plus, je vais les réveiller. Et j'ai crié. J'ai dit, toi là-haut, si tu existes vraiment, une prière très claire, hein, si tu existes vraiment, fais quelque chose pour moi. Je ne me suis même pas rendu compte que j'étais délivrée. J'étais délivrée instantanément. Je me suis levée le lendemain, j'ai commencé à vouloir sortir. C'est fini. Plus peur du vent, du tout. Et là, finalement, ma tante a dit, tu viens à l'église avec moi? Bon, j'y vais. J'ai rencontré Pierre qui était jeune, plein de feu, l'évangélisation, etc. Isabelle ici, hop. Et puis voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et puis tout le reste, je vous ai dit la réconciliation. Oui, on a suivi une école de réconciliation, mais j'avais déjà vécu des choses avant. Là, on était suivi parce que ce sont des écoles de GEM et qu'ils vous mettent un... Mais c'est le seul moment dans mon existence, c'est les 9 seuls mois où franchement quelqu'un m'a suivi et a prié régulièrement pour moi. La plupart du temps, ça s'est fait tout seul. Parce que je crie. Parce qu'aussi, quand tu veux me montrer quelque chose, je lui dis... J'abandonne, vas-y, montre, mets ta lumière, sonde-moi, Dieu, et connais mon cœur. Je répète souvent ces mêmes choses, mais c'est important. C'est important parce qu'on doit laisser Dieu nous réaligner, on doit laisser Dieu nous mettre en position et en lui, et c'est nécessaire. C'est nécessaire comme l'air qu'on respire, l'Esprit de Dieu en nous qui prend de l'espace, qui, voilà, on lui laisse de l'espace. Écoute, je me rends compte que t'es encore à l'étroit là, hein? Ouais. Ben, qu'est-ce que je peux maintenant te laisser? Alors, je peux vous dire, hein, il va pas tout vous dire d'un coup, sinon vous allez faire une dépression. C'est pas possible. Il va le révéler petit à petit. Il va vous montrer des façons de réagir. Il va vous dire, voilà, là,
C'était pas top, Isabelle. Hein. Ou bien là, t'as ouvert ta bouche, tu aurais dû la garder fermée, Isabelle. Hein. Me le dire. Hein. Ça, c'est encore un défaut que j'ai maintenant. Parfois, je partage trop vite quelque chose et je devrais... Alors, je dois apprendre ça. Et je continue à apprendre. On continue à apprendre. On continue, on est en marche. Et je voudrais vraiment ce matin vous exhorter à ça. Parce que c'est pas parce que vous avancez là que vous faites ce pas, que c'est fini. C'est la conversion, c'est presque tous les jours. C'est là que tu viens. Hop. Et j'ai un ami qui est dans une maison de prière et il me disait, mais il a découvert la même chose. Il dit, la nouvelle naissance, elle est continuelle. C'est un cycle. Et Dieu nous mène sur ce chemin. Dieu nous mène sur ce chemin. L'Esprit de Dieu nous mène sur ce chemin. Et on ne doit pas résister. Parce que c'est comme ça qu'on va être cette Église sainte, sans tache ni ride et rien de semblable. Avec les cheveux pas mêlés. Parce que là, ce n'était pas pour une personne, c'était pour la communauté, c'était pour l'Église. L'Église a les cheveux emmêlés. Pour une coiffeuse, c'est une horreur. Je dis, mais c'est quoi ce truc? On fait un beau chignon quand on va pour se marier. Hein? Ben, beau chignon, on va avec mes cheveux. Mais... Oui, c'est ça. Donc il y a des nœuds et il va couper. Il va démêler certaines choses et d'autres, il va... C'est comme ça. Parce qu'il faut que les cheveux repoussent et qu'on puisse lui faire un beau chignon. Hein. Qu'elles soient belles. Ensuite, il y a eu quoi? Ben, il y a Jean-Baptiste, mais je ne vais pas passer sur Jean-Baptiste, ça c'est autre chose. Le baptême par la repentance. Et c'est Luc 3, 21-22. Romina. Je n'ai pas donné trop de versets hein, cette fois-ci, je ne suis pas partie en tous les sens. Voilà. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ses paroles. « Tu es mon fils bien-aimé, préféré, favori, en toi j'ai mis toute mon affection, toute mon espérance. » Je viens et je mets mon approbation sur toi et je ne la mets pas dans le secret, je la mets publiquement. Parce que c'était public. Ils ont entendu. Est-ce que Jésus a besoin d'entendre ça? On va dire oui. Mais pourquoi est-ce que Jésus est notre exemple? Parce qu'il nous montre que nous aussi, on a besoin de ça. On a besoin de savoir qui on est en lui. Des fils et des filles bien-aimés. Rien que ça... C'est un boulot dingue chez la plupart des gens, parce qu'ils ont eu des parents ou des pères ou des mères ou des tuteurs ou des instituteurs ou des pasteurs qui les ont tellement brimés qu'ils ne peuvent pas croire qu'ils puissent être aimés par Dieu. Le père, rien que ça. Moi j'ai eu cette chance et je bénis Dieu par rapport à ça. J'ai eu un père imparfait mais qui m'a aimé, qui était là. Et souvent... Souvent, je le remercie pour ça, parce que je me rends compte qu'il y a tellement de gens qui ont été bafoués. Tellement. Et le cœur de Dieu saigne par rapport à ça, parce que le cœur du Père veut s'exprimer, veut vous donner cet amour, veut vous transmettre cet amour. Et souvent, on a des barrières, parce qu'on se dit, un père, ça n'aime pas, un père, c'est sévère, un père, ça bat, ou un père, ça viole. Quand on entend ça, c'est une horreur. Et les gens ont besoin de guérison. Donc, ils ont besoin d'abandonner, de dire voilà la vie que j'ai. Pas nécessairement de ma faute, mais voilà, fais quelque chose avec. Et je vais marcher dans ce que tu me dis. Je vais être acteur dans ma guérison et actrice. On va y aller. Et on a tous besoin de ça. Tous besoin. Alors, il y en a qui ont, comme moi, cette chance d'avoir des pères aimants. On voit ici, il y a des papas aimants, des papas qui sont là. Oh, parfois trop sévères, on est tous imparfaits, hein, les gars, mais rien que d'être là, d'être prêt à écouter. Mais on a besoin de ça. On a besoin de ça. Donc voilà. Et le Père a mis son approbation sur Jésus. Et c'était au niveau de son identité de fils. Il aurait pu dire, voilà Jésus, je vous présente Jésus, je l'ai envoyé pour... Faire ça. Non, il a dit, tu es mon fils bien-aimé. Et c'est là que je veux en venir. C'est qui sommes-nous en lui? Quand on se présente, comment on peut présenter qui l'on est en lui? C'est important. Ah, je prêche.
sais pas, ça c'est ce que je fais, mais qui suis-je en lui? Il y a une différence entre ce qu'on fait et ce qu'on est. Et souvent, on a besoin d'entamer le processus dans l'être, dans les profondeurs, pour rentrer dans le faire. Et dans nos églises charismatiques, on saute souvent les étapes. Allez, j'ai reçu telle prophétie. Alors oui, mets-toi en marche. Ça, je suis OK. Prépare-toi, étudie, va dans des séminaires, fais ce que tu... Voilà. Mais saute pas les étapes, tu dois savoir qui tu es. Oh, pas pleinement, hein, je vous dis, moi, je suis en travail, je suis en chantier, voilà. Ouais. Isabelle est en chantier, mais il y a des gros trucs qui ont été faits. Parce que quand on est trop en chantier, que le chantier est plein de débris, eh bien, on n'est pas capable de témoigner de la grâce, de la sagesse, de l'amour, de la bonté infinie de Dieu qu'il manifeste. Parce qu'on est, nous, trop en chantier. C'est pas grave du moment qu'on veut avancer. Donc il faut vraiment mettre les choses. Et là, il nous donne un exemple. Hein. Il nous donne l'exemple. Il a été soumis à ses parents. À 30 ans, il a été mené par le Saint-Esprit à aller se faire baptiser un baptême de repentance, parce que c'était celui-là que Jean faisait. Et puis, il a été affirmé par le Père. Ensuite, on voit toute la généalogie et on pourrait... Voilà, on pourrait aussi prêcher là-dessus, mais ça, on ne va pas faire. Puis on a le Luc 4, verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit. Tu me le mets, Luc 4, verset 1. Ça ira pour toi? Verset 1. Je ne l'ai pas mis sur la feuille. Est-ce que tu arrives à le trouver? Allez, je la challenge. Hein. Je la défie à y aller, à aller de l'avant. Tu as mis déjà Luc 4, 14. C'est pas grave, c'est bien, Romina, on est bien. Sinon, j'ai dépassé le temps de beaucoup. Allez, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Où il a été? Qu'est-ce qui s'est passé dans le désert? Tenté. Deux de ces tentations ont commencé par « Si tu es fils, qu'est-ce qui était... » Défier son identité de fils. Qu'est-ce qui pour nous va être défié à votre avis? Nos identités de fils et de filles. Est-ce que tu es bien légitime, Isabelle, pour parler le dimanche matin? Ouais, mais, oui, tu as fait une formation, mais tu n'as pas fait une formation dans la prédication, Isabelle. Et puis tu prêches pas. C'est pas toujours très linéaire, ton truc. Hein. Et puis le Seigneur, il me dit... Sois toi-même, je vais t'utiliser. S'il me le demande, je le fais. Je vous assure, ce matin, s'il y avait quelqu'un qui avait voulu prêcher, je lui donnais le micro. Mais voilà, sois toi-même. Rester qui l'on est et pouvoir faire les choses avec lui. On n'est pas obligé d'imiter. Hein. Moi, je n'ai pas imité Vanessa quand elle prophétise. Vanessa, c'est Vanessa. Isabelle, c'est Isabelle. On a une façon différente de prophétiser. On est soi-même, être soi-même. Il y en a qui vont prophétiser avec un geste. La danse peut être prophétique. Mais des fois, je ferme beaucoup les yeux pendant... Mais quand il y a des danses qui sont prophétiques, qui démontrent des choses. Parfois, un geste est prophétique. Dieu te dit, fais ça. Moi, je sais qu'à un moment donné, il me disait toujours, fais ça. Alors, je faisais ça, personne ne le voit, mais je faisais ça, et je tenais un bâton. Je savais que je tenais un bâton. C'est comme Esther, quand elle va toucher le bâton, vous voyez? Quand elle peut aller toucher, hop, c'était ça. Geste, libère ton corps, hein, libère ton mouvement. C'est pas pour ça que je vais danser comme une ballerine demain, mais je vais libérer mon mouvement. Quoi. Voilà, surtout avec mes grands bras et mes grandes jambes. Voilà, c'est ça. Parce qu'on ne prophétise, parfois on prophétise par des actes, parfois on prophétise sans savoir qu'on prophétise. C'est ça, parce que l'esprit de prophétie, il est chez qui? Il est en nous. Et si on est en connexion, on va parfois avoir une action, un geste, on ne sait pas, et poups, c'est le moment. Ce matin, j'ai prophétisé. Enfin, je n'ai pas prophétisé, j'ai évangélisé sans le vouloir. Je me suis préparée de l'eau. Je sors, on est dans la voiture, je dis, oh, j'ai oublié l'eau, comme d'habitude, parce que pour l'instant, j'ai un vrai trou, là. Donc, je vais chercher de l'eau, là, au magasin du coin. Et puis, le gars, il me dit, y a plein de gens qui passent ici, en face, ils vont où? Ben, je lui dis...
Et ben, je lui dis à l'assemblée, il y a une assemblée chrétienne. Et, ah, la messe, je lui dis non, c'est un culte. Je lui dis, mais c'est une réunion. Je lui dis, on commence par de la louange, des chants, et puis après, ben, il y a un partage. Enfin, j'essaie de mettre dans des termes non pas de patois de Canaan, parce qu'on est tellement habitué à dire hein, des trucs. Donc voilà. Oh, ben moi, ça m'intéresse, ce qu'il me dit. J'ai même pas évangélisé, ça s'est fait tout seul, parce que j'ai oublié mon eau. Voilà, je me dis, c'est dingue. Alors je dis, ben, voilà, il est en train de garder le magasin, il n'avait pas tout planté là, parce qu'il était tout seul, mais il m'a dit, j'ai envie de venir. Donc un de ces quatre, je repasse, je lui donne les horaires, etc. Et puis il dit, moi ça m'intéresse. Moi franchement, ça m'intéresse. Moi j'y vais pendant les baptêmes, les mariages, tout ça, mais je voudrais entendre plus. On a utilisé un autre insu, parce que honnêtement, l'évangélisation, ce n'est pas mon truc premier. Hein. Je peux le faire. Je peux le faire. Mais ce n'est pas le truc que je fais naturellement, comme certains, ça déborde. Hein. Et Jésus. Et après, ils donnent leur témoignage. Et moi, je dis, moi, on m'aurait témoigné comme ça, j'ai reculé trois pas. Mais ils ont cette flamme d'évangéliste en eux qui me font presque peur. Enfin, j'exagère, hein, mais ils bousculeraient tout. Voilà. Alors, où étais-je? Ensuite, tu peux mettre l'autre verset. Donc, il était conduit dans le désert, il était rempli du Saint-Esprit, et ensuite, on voit qu'il part du désert. Et ça, c'est pour toi, Pierre, parce que ce matin, j'ai pensé à toi quand j'ai relu le texte. Tu dois nous préparer un truc sur le revêtu de puissance. Parce qu'il y a toute une prédication là-dessus, il y a quelque chose à faire là-dessus. Parce qu'on est rempli du Saint-Esprit. Ah oui, quand j'ai relu ce matin ce verset à la maison, j'ai dit Pierre. Mais bon, de toute façon, il était là. Tu n'aurais pas été là, mais voilà, tu es là parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose dans être revêtu de puissance. On a envie d'entendre ça. Je pense qu'il est temps et qu'on en parle et qu'on voit ce qui s'est passé et pourquoi il était revêtu de puissance après ça. Parce qu'avant, il avait reçu le Saint-Esprit et il était conduit par le Saint-Esprit, mais là, il a reçu la puissance. Il sort de là, il va à Nazareth. Sa ville, où on le connaissait comme le charpentier, oh, plein de grâce, plein de choses, hein, on l'a vu grandir, etc. Mais c'était quand même le fils de Joseph, hein, et puis il construisait des trucs, et à Nazareth, il n'a pas été reçu. Et lui, il a clairement dit, en plus, Jésus, il n'y allait pas par quatre chemins, hein, il disait de toute façon, on n'est pas reçu, hein, comme Élie, Élisée, bon, on n'est pas reçu, ici, relisez hein, les quatre premiers chapitres de Luc, hein, mais voilà, nul prophète n'est reçu dans sa patrie. C'est pas faux. Quand vous avez un appel prophétique, ministère prophétique, sortez de la nation, allez avec Christophe, je ne sais trop où, dans une autre église ou ailleurs, et vous allez voir que votre ministère va sortir beaucoup plus. C'est normal. Jésus l'a dit, s'il l'a dit, il a dit la vérité. Il a dit la vérité. Hé, la vérité. Non, mais c'est vrai. Il a dit la vérité, et c'est vrai. Moi, quand je sors, je vais en Suisse, je sors plein de trucs pour la Suisse. Et en Belgique, j'ai plus de mal. Plus de mal. Et puis, on est sous les mêmes puissances. Faut quand même, on vit en dessous. Et c'est quelque part, on a encore une vision différente. J'ai presque fini. Et ensuite, il y a Luc 4, 1. C'est celui-là. Hein. Non, ça c'est... Continue un peu. Jésus revêtu de puissance, de l'Esprit retourne en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays alentour. C'est la suite, hein, je pense. J'ai oublié de le mettre là. Ah si, Luc 4, 14, 19. Ça, je te les ai donnés. Voilà. On va terminer avec ça, hein, parce que c'est un peu long. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Non, ça c'est 15. Oui, c'est ça. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon la coutume, il entra dans la synagogue. Le jour du sabbat, il se leva pour faire la lecture. On lui a proposé quel livre ? On lui a dit, tiens, prends le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et là, c'est Jésus qui se prophétise sur lui-même qui il est.
et quel est son ministère qui vient seulement à ce moment-là. Et c'est pour ça que je voulais reprendre cette gradation. C'est que d'abord, il faut entrer dans la connaissance de qui on est en Christ. Fils et filles, dans Paul, il est dit que la création soupire à ce que les fils et les filles se lèvent. Hein. La création soupire parce qu'il va y avoir un impact dingue quand une génération dans laquelle on est bien assis, bien positionné dans son identité va se lever et entrer dans son ministère, dans leur ministère. Et ça, ici, on le sait, ministère, il n'y a pas trop de soucis, on a beaucoup de prophètes qui passent et qui prophétisent sur nous. Et donc, c'est important, je pense. C'est important que ce que tu as dans le cœur soit à un moment donné publiquement révélé. Moi, je mets un peu l'accent là-dessus. Et est aussi important que ce soit reconnu. Paul, il est parti en mission, les anciens et les apôtres ont prié et l'ont envoyé. Il n'a pas dit « Paul, moi, apôtre », il l'a dit après. Mais il ne s'est pas levé tout seul à dire « maintenant, c'est mon temps, allez, j'y vais ». Certainement que l'Esprit lui a parlé, et l'Esprit lui a parlé en voix, mais il y a eu quand même une reconnaissance publique et de ses pères qui étaient des responsables. Et je pense que ça, c'est important. On est dans la liberté pour la liberté, parfois, et je pense qu'il y a des... Là, dans Luc, on a comme un protocole. Et c'est pas que... On va commencer dans notre identité, et puis on va avancer. Mais il y a comme un protocole. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire comme ça. Comme je disais, tu peux très très jeune, et parfois moi je fais attention parce que parfois on voit ce que les gens sont, on leur dit pas ce que je pensais, qu'ils sont très jeunes dans la foi. Et que quelque part, parfois ils sont très fougueux aussi. Alors comme ils sont jeunes dans la foi et très fougueux, qu'est-ce qu'ils font? Ils sautent toutes les étapes et ils rentrent pas dans cette marche de sanctification, dans cette marche d'approbation du Père, dans toute cette marche. Et quand on est dans cette marche, Dieu il peut ouvrir le ministère, parce qu'on ne sera jamais parfait et qu'on va marcher jusqu'au bout, mais il va pouvoir ouvrir quelque chose et on fera beaucoup moins de dégâts que quand on n'est pas guéri. Parce que prendre une place d'autorité, surtout dans les ministères, quand on n'est pas guéri, on voit. Il suffit de regarder dans l'église, hein. Il suffit qu'on se sente vexé parce que machin truc a dit ça. Il suffit que... Mais Satan rôde comme un lion rugissant et autour de ses ministères, il voit les failles en lui. Et alors, si on dit « Seigneur, mes failles, je te les expose et j'y travaille », ben je pense qu'il y a comme une couverture. C'est ce que je ressens, moi. C'est comme si Dieu mettait un bouclier là-devant. Il y a un bouclier. Il y a cette volonté d'avancer, mais un bouclier. Il nous protège. Mais quand volontairement on s'expose et on dit « Oh, j'ai beaucoup de difficultés dans le ministère parce que chaque fois que je vais avancer, j'ai... » Oui, on a de l'opposition, mais on fait face à l'opposition d'une façon différente quand on sait qui on est. Mais si tu as tuile sur tuile sur tuile sur tuile, il y a peut-être des failles. Quoi? Demande-lui, il va te le dire. J'ai dit peut-être, hein. J'ai pas dit qu'il avait des failles nécessairement. Attention, ne me prenez pas mes paroles. Mais je pense qu'il y a vraiment là quelque chose qu'il faut laisser Dieu travailler dans nos vies. J'ai vraiment envie de vous bénir et de vous dire, mais aujourd'hui, ce qu'on vous a dit, c'est reconsacre ta vie, donne-lui qui tu es, abandonne tes paquets, apprends à pardonner comme lui nous pardonne. C'est comme si on disait à Jésus, tu me pardonnes moi, mais moi je ne pardonne pas. Je vais un petit peu aujourd'hui, moi. Hein? Ça, c'est mes racines sud-andalouses qui reviennent. Tu me pardonnes, mais... Il y a un truc qui ne va pas là. Mon opinion, ce que je pense, moi, être juste. Ce que je pensais être juste il y a 10 ans, il y a des choses que le Seigneur a complètement enlevées. Je dis, Seigneur, je pensais que c'était juste. Il est venu faire du nettoyage. Ben, pas tout, hein, évidemment, il y a des fondements qui étaient posés. Mais il y a des trucs que moi, je pensais il y a 10 ans. Moi, je ne me soumettais pas. Parce que ma mère avait la haine des hommes et qu'elle m'avait transmis la haine des hommes. Et ça, c'est encore une partie de témoignage. Je finis avec ça. Ma mère avait la haine des hommes parce qu'elle avait vécu dans sa famille après la guerre. Elle a perdu son père à 8 ans. Elle avait des plus jeunes sœurs qu'elle. Il y a des hommes qui sont venus dans la maison de sa mère et qui ont abusé de ses sœurs. Et elle a fait ce serment, notre bouche, je ne me laisserai jamais faire par un homme. Je peux vous dire qu'elle ne se laissait pas faire.
et que mon père était plutôt insoumis. C'est pour ça qu'ils étaient ensemble. Vous voyez, ça marchait parce que papa... Mais elle m'a transmis ça. Donc dans le début de notre mariage, il y avait parfois des... parce que moi, je ne voulais pas me laisser faire. Enfin voilà, j'avais hérité de ça de l'un des hommes. Et j'ai dû y travailler. À un moment donné, Dieu a dévoilé. Ce n'était pas évident. Et ce n'était pas évident pour moi de me soumettre à un homme. J'avais du mal. J'avais besoin de guérison. C'est comme ça. Donc, mais ça, c'est mon témoignage. Mais il y a d'autres témoignages, il y a d'autres choses. Donc je pense que c'est important. C'est important de laisser Dieu mettre des éclairages dans nos ténèbres et de dire, ben, tout ce qui pue là-dedans, ben, nettoie. Ça pue pour lui, hein. Nous, on ne sent même plus, on a le nez au-dessus, donc ça va. Mais ouais, c'est vrai. Et c'est pour chacun d'entre nous, hein, des choses totalement différentes. Totalement différentes. Mais Dieu veut vraiment couper les nœuds, enlever les nœuds, dégager les choses qui doivent être dégagées. Pour que nous puissions être dans notre identité et être une église qui va faire envie. Quand on va aller quelque part, dire ah ! Et puis là, eux, ils s'aiment. Il y a de l'amour comme on n'en trouve pas ailleurs. Quand on est dans le manque de pardon, ben l'amour, il n'est pas là. Hein. Il est juste dans... Hein, il n'est pas là. On n'amène personne dans l'église. On dit non, 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 non. Seigneur, envoie-le ailleurs. Il y a un peu plus d'amour parce que là, ce n'est pas possible. Parce que les gens, ils flairent ça. Hein, très vite. Je vous amène ma fille, ma cadette. Je la mets là au milieu et elle vous dit exactement ce qu'elle a beaucoup de... À mon avis, quand elle va vraiment donner sa vie au Seigneur, elle va avoir un discernement très fort. Et elle va vous dire... Un tel, il vit ce qu'il dit, les autres. Elle m'a fait ça. La dernière réunion, elle a mis un pied. Elle est sortie, elle m'a dit ça. Et je connaissais de qui elle me parlait. Je lui ai pas dit, t'as raison. Hein, mais... Donc voilà. Alors soyez bénis. Soyez bénis. Et avancez cette semaine-ci. Avancez dans tout ce que vous avez entendu. En tout cas, pas tout ce que vous avez entendu, dans tout ce qui a touché votre cœur aujourd'hui. Allez-y et bon dimanche.